Visiblement pas d'ici sans les règles qui paraissent étrangères. Mais qu'est-ce que... Et ta chute est inutile, vieille amie. Je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend ? Viens ici ! Oui, oui, toi ! Apostrophez-vous toujours ainsi les gens dans la rue. Les cloches que j'entends ! Avant de traverser le fleuve.
Viens ici, toi. J'ai bien l'impression qu'ils ont envie de se faire brosser. C'est qui marche avant tout le monde. Pas dans ce monde.